Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce qui va sans doute être l'une de mes dernières vidéos, la dernière de l'été, de la saison, ça c'est certain. Je tente des trucs, comme vous pouvez le constater. Pourquoi? Eh bien, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Lauren Connor, c'est Alan Lynch. On fait tous les deux un duo. Très obscur. Très... Comment ? Difficile à définir. On reconnaît bien la patte de l'un et de l'autre, et les deux nous offrent quelque chose de sombre. Quelque chose de perturbé. Qui pourrait être presque pris pour de l'ambiante ou du dark ambiante, je ne sais pas. Je vous la juge avec un petit extrait. Lauren Connor and Alan Lynch at the top of the stairs. Un très beau disque. J'ai envie de dire un disque de nuit. C'est assez curieux. Alors, Lauren Connor notamment a vraiment la particularité de noyer sa guitare sous la reverb, ce qui lui donne une sonorité presque aquatique. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que s'agit là d'une sonorité presque comment dire, d'univers, de trou noir, d'infini et d'obscurité. Hans Repons et Yves, vous aimez le hip-hop déstructuré façon Dalek, pour ceux qui connaissent, je vous en offre un extrait, un superbe disque aussi, que j'ai beaucoup aimé. Marks the past, I'm seeing glimpses from afar, what it will take to remain in a zone where we escape without needing coin or cash, or a connect to a world without neglect. Questions remain, deficit makers swindled in this game. Questions again, rebuilding without vain is the aim. Mirrors needed unplugging, headspace needed debugging. Seeds of a concrete space need water and sun to decompress from the pressure that's relentless for attention. I don't know it all, but we've got a chance if we conduct our thoughts. Remember the ones who's got our backs in the thick of it all. Been outside, now we've got focus. We need to support each other on notice. All we got is us in the moment to make it through tough times. It is our onus. Been inside, now we've got to notice. We need to support each other and focus. All we got is us in the moment to make it through tough times. It is our onus. The thread is both seen and felt. Forces have tried to dispel. Our links are woven. The more we deny, it will swell. To unsee this truth is flawed in itself. It's time to move to the next floor, or rather the next stage, or rather the next page, or rather the chapter where we embrace the differences that make us tied in ways that may take 1 second to many years to swallow that bitter pill, triggering fears, or igniting irrational, confused insecurity, questions everything you thought it'd be. And no better time than the present, the day, and still being clear, shit being unclear is kept at bay. Things not here to stay, the change is imminent. It's the only way, it's the only way. Alors il s'agit d'un extrait relativement, on va dire, normal, je vais pousser un petit peu le vis.
hip-hop relativement déstructuré, presque. Je pense que par endroit, on peut presque parler d'abstract, comme pouvait en faire à leur époque Clouded, pour ceux qui se souviennent d'eux. Et puis, j'ai beaucoup pensé à Dalek, qui me semble être une évidence pour ce disque. Autre ambiance. Ça, c'est une réédition d'un disque sorti de mémoire en 1983. Non, en 84, pardon. Il s'agit d'Eno Veltius, une figure de l'ambiance, on va dire. C'est pas la même chose que Brian Eno. Peut-être un peu plus. Un peu plus doux, peut-être. On ne sait pas. Brian Eno. Ah, plus doux, c'est pas le terme. Peut-être plus mélodique, voilà. A glimpse of light. L'extrait, c'est peut-être que Claude trouverait ça très New Age, ce que je peux comprendre, mais le terme n'est pas exact, c'est vraiment de l'ambiance. Sauf que, voilà, d'habitude, l'ambiance, c'est souvent beaucoup plus monolithique. Pas tout à fait du drone, mais pas loin, alors que voilà, là il y a des apports mélodiques assez marqués. La seule chose peut-être que je peux reprocher un petit peu à ce disque, outre le fait qu'il soit qu'on veuille ou non marqué par le temps. Certes, les sonorités utilisées sonnent bien 83-84, ça ne fait aucun doute. Mais bon, ça c'est l'apanage des. Enfin, le risque de quasiment tous les disques, en tout cas sortis dans cette période-là, je pense. C'est peut-être moins vrai maintenant, encore que. Les disques sortis dans les années 90 sont souvent identifiables. Et. On n'a pas assez de recul pour savoir ce qu'il en sera des disques sortis de nos jours, mais il est probable que ça soit la même chose, puisqu'il n'y a pas de raison, après tout, on sait tous comment sonne un disque des années 60, 70, 80, 90. Voilà, donc
Voilà, ce que je reproche un petit peu, c'est des mélodies un petit peu trop parfois naïves. Voilà. Néanmoins, c'est un beau disque. Une belle curiosité par un musicien, compositeur, je crois qu'il est plasticien aussi, allemand. Je suis pas sûr qu'il soit plasticien, en tout cas c'est un expérimental qui fait quelque chose d'assez particulier. Alors, Félix S. Est allé chercher des chants de grenouilles et il les a ensuite compilés, assemblés, empilés. Et il en a fait un disque, A Selection of Field Recordings by Félix S. Frogs. Alors c'est sans être une compile, ce sont des morceaux qui ont été enregistrés en 84, 82, 85, 91, 87 et 91 à nouveau. Mais en fait c'est un disque très très particulier. Excellent, qui a un côté très hypnotisant. Je vous assure que si, alors si vous focalisez dessus, j'imagine que ça peut rapidement vous taper sur le système, si je peux me permettre. En revanche, si vous faites autre chose en même temps. Je crois que, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Ça peut rapidement devenir hypnotisant. L'ambiance. Ouais, de l'ambiance. Alors, hop, petite sélection d'un autre morceau plus parlant. Il s'agit de Black Body Radiation avec Ultra Materials. C'est de l'ambiance un peu plus torturée, un peu plus malaxée, de l'électro. Excellent disque que j'aime beaucoup, Black Body Radiation avec Ultra Material. Il y a quelque temps, je vous avais parlé d'un disque par le saxophoniste
Mats Gustafsson, du Fire Orchestra, que j'avais eu la chance de voir sur scène. J'avais un petit peu évoqué le disque, mais j'y remets un peu. Luft avec Exhale, le volume 2. Alors, avant que le départ, Erwan Keravec à la cornemuse et Mats Gustafsson au saxophone. Pour les avoir vus sur scène, je peux vous assurer que c'est impressionnant. Avec volume 2 Exhale, malheureusement le volume 1 n'est plus disponible. Ce sont des disques qui sont sortis à très peu d'exemplaires, je crois qu'ils sont sortis à 300 copies. Et malheureusement, voilà, 300 copies, ça part très très vite. Un pianiste que j'aime beaucoup. Qui avait joué en son temps avec la fameuse chanteuse Jane Lee. D'ailleurs, j'espère. J'espère d'ailleurs un jour pouvoir trouver cet album en vinyle. Mais je crois qu'il coûte un. Joli magot. Ron Blake est un pianiste fabuleux de jazz. Et il est ici en solo. En 76. Alors pardon, mais 5 euros au souffle continu. Si c'est pas magique ça.
Et qui voyons-nous apparaître? Anne Blake avec Feldstream, un an après, dans la même mouvance. Tout aussi magique. Et toujours pour 5 euros. Blake, magnifique. Cet album avec Jamie est un des rares disques qui figure sur ma wanted list, comme on dit. En vinyle. En fait, je suis en train de revendre beaucoup de vinyles que j'avais, dont j'ai le portage CD pour certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai donné tout un tas de disques de Björk, par exemple, pour vous donner un exemple. Parce que en fait je me suis rendu compte que je les avais achetés il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps maintenant, pour je sais plus 10 balles à l'époque, pendant ce temps là je vous montre le deuxième album de Laurie Anderson que je peux malheureusement pas dont je ne peux malheureusement pas vous faire écouter un extrait puisque c'est sorti chez Warner. Excellent album, sauf un morceau, et devinez quoi, forcément c'est un morceau composé par Peter Gabriel et qui chante dessus. Et bah, Peter Gabriel, c'est tout comme Phil Collins, dès qu'il se pointe c'est rapidement insupportable. Bref, voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait tous ces disques ont été enregistrés en numérique pur, sont des disques électro purs, et qu'en fait les avoir en CD et en vinyle, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, beaucoup de sens. Et donc bah, j'ai fait le tri. Voilà, tout simplement. De toute façon, j'ai plus de place dans mes étagères et dans mon appartement, d'une part. D'autre part, je n'ai plus de thunes pour acheter de disques, comme je l'ai souvent dit. D'autre... Et enfin, s'il m'arrive un jour de déménager, eh bien, autant me délester d'ores et déjà des disques que de toute façon je n'écoute jamais en vinyle. Déjà que Björk, ça fait bien longtemps que je n'écoute plus même les très bons disques, et donc a fortiori encore moins en vinyle. Voilà, et donc plutôt que de garder une copie vinyle que je n'écoute jamais, je les ai refourguées. Ça me permet d'écouter deux albums de Ren Black par exemple, ou de Laurie Anderson, que j'aime beaucoup. Ou encore un disque de Pita. Alors Pita, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Peter Rehberg qui nous a quittés. Peter Rehberg était le... je crois que c'était le fondateur, mais en tout cas celui qui dirigeait le label Mego. Label relativement indispensable dans le monde de la musique XP. Il faisait plus ou moins de la noise électro. Et il s'est éteint nous sommes en 2024-2023. Je crois qu'il s'est éteint. Il s'est éteint en 2022. Voilà. Et donc Peter Rehberg était connu sous le nom de Pita, qui faisait de la musique électronique et parfois. Noise. Thank you.
totalement indispensable ce disque, je ne suis pas sûr. Encore qu'il y a de très beaux moments. Néanmoins, Peter Haberg, Pita, rien que pour le geste, comme une forme d'hommage. Je pense que c'est l'un des derniers enregistrements qu'il pourra voir de, le jour de sa part. Et donc, voilà. Bah, c'est toujours, toujours bien de se souvenir de personnages comme Peter Haberg. On va pas tarder à se quitter déjà. Encore que ça fait déjà une demi-heure quand même. Et oui, les extraits, les extraits, les extraits. Filmy Block, Rich Hatam, Martin Butch, Gregory Reeve, avec Boston Tree. Et puis Filmy Block avec Tenor Index, avec Martin Butch et donc Filmy Block. Cette pièce que vous écoutez là est enregistrée en 72, la face B en 72 également et en 69. C'est vous dire la... Bah, c'est vous dire l'avance. C'est logé entre le drone et l'ambiance. Même si ça lorgne quand même beaucoup plus sur le drone. Tendance bourdonnement. Un dernier virage chez mes amis de Souffle Continu, bah, tout simplement parce que aujourd'hui je leur ai déposé un très très gros paquet de disques. J'aurais dû compter le nombre de disques que je leur ai donné, enfin pas donné, vendu on va dire, mais je pense qu'en tout je suis pas loin des 500 en fait. Et donc ils m'ont pas encore calculé ce que ça va me, entre guillemets, me rapporter, mais je vais encore avoir un petit avoir. Et donc évidemment je vous ferai une petite vidéo avant cet été pour le mot de la fin, en tout cas de la saison. Jim O'Rourke. Avec un magnifique EP. Alors cet EP est situé sur la période Eureka, Insignificance, Simple Songs pour ceux qui connaissent. À l'époque où il faisait encore des chansons. Il a depuis totalement arrêté. Vous allez dire, mais celui-là je l'avais en CD. Oui,
Donc c'est pas très logique ce que tu nous dis là. Non. Donc ce que tu appliques pour les uns, tu ne l'appliques pas forcément pour les autres. Absolument. Il y a des musiciens dont j'ai systématiquement le CD et le vinyle. Pour des raisons qui vous échappent. C'est normal parce que ce sont des raisons qui m'échappent à moi aussi. Mais Jim O'Rourke en fait partie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Jim O'Rourke, il a travaillé avec David Grubbs au sein de Gastro del Sol, mais il a eu une vie avant Gastro del Sol, beaucoup plus expérimentale. Et c'est rien de le dire, puisque Gastro del Sol c'était déjà pas mal. Il avait bossé avec Caca Newell, il avait bossé avec plein de gens, il avait fait du drone, de la noise, de la musique qui lorgnait un peu vers le contempo. En bref, il avait fait beaucoup de choses, et puis après l'aventure Gastro del Sol, il va retourner à ses activités, il va avoir une période un peu pop avec ses albums-là. Dont un fameux album que je vous conseille, dont je vous ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous en reparle. Celui-ci, Eureka, qui est à mon avis l'un des plus grands disques de pop de tous les temps, tout simplement. Et puis il va jouer, il va participer à Sonic Youth pendant quelques temps. Il va être bassiste au sein de Sonic Youth. Avant de repartir, je crois qu'il va jouer de l'électronique aussi au sein de Sonic Youth. Et puis il va repartir à ses activités. Il va déménager au Japon définitivement, pays qu'il ne quittera que très rarement. Pour suivre ses activités de musicien, je crois qu'il fait des études de musicologie. Bref, j'aime beaucoup Jim O'Rourke et je suis très content d'avoir cette EP en vinyle, même si je l'ai en CD. Voilà, un bel EP. Halfway of a Tree Wave. C'est malgré tout, il y a un titre. Présentation de deux choses. D'abord, Pride, un double. 45 tours. Des monofaces à chaque fois. Avec la participation de David Grubbs sur les textes. Surprenant. Mais qu'est-ce qui lui a pris, vous dites-vous ?
Et enfin, avant de vous quitter, donc, vous allez voir une soirée consacrée à un label que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vice de Forme, et qui fêtait de mémoire ses 10 ans, ou ses 5 ans, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Enfin bref, c'était l'anniversaire du label. Et il se trouve que bah, je connais bien ceux qui tiennent le label pour plein de raisons. Et donc, ils ont sorti une cassette. Le label Vise de Forme sort une cassette de 90 minutes qui s'appelle Le Vide se forme. Une cassette sur laquelle on peut retrouver plein de monde. Je crois que de mémoire il y a Mary Lamp, Mauvais Sang, Joe Clowns, Daniel Munch, Lorenzo Abattoir, Mark Vernon, Joey de Palace, Ogrob, Oymyakon, Dave Phillips, que j'ai pu voir en concert d'ailleurs, Forceps, Xomo, Satanox et Vomir. Bref, une cassette qui envoie du lourd, de la noise, de la pure et dure. Voilà, je les ai vus, donc, comme je vous disais, en concert. Sans doute que je vous ferai une petite vidéo. Alors ils ont fait un, peut-être qu'à la fin de cette vidéo il y aura un petit montage. Ils avaient fait un film d'une heure réalisé par un artiste qui s'appelle Paquito Bolino. C'est un montage d'énormément de dessins. Je vous montrerai ça sur fond de noise assez extrême, c'était vraiment intense. Francisco Merino, The Mute Fortress, absolument magique, avec une très, alors c'est une cassette, un très beau packaging. Et puis Lorenzo Abattoir, non, Daniel Munch, pardon, excusez-moi, je confonds. Daniel Munch, que l'on connaît plutôt bien dans la scène noise. Voilà, un tour d'horizon. Un petit peu plus long que d'habitude, eh bien, oui, mais au moins les extraits sont déjà là. Ça met vite le montage, qui est parfois un peu long, fastidieux. C'est chez Eskimo Records. Ceci
ceci. À bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous souhaite à tous le meilleur. Pas mal, je trouve, en ces temps troubles. Allez, prenons notre courage à demain et je vous dis à bientôt. Salut.